taches rousses, blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs. Mais une Normandie, une mare avec des canards, des pommiers dans la prairie, et le bon cidre doux. Et oui, il y a des vaches rousses, blanches et noires, made in Normandie. Mais pas sous la pluie, en tout cas, pas aujourd'hui, pas cette année. Nous sommes à Pont-Audemer, dans le département de l'Eure, et il fait un soleil radieux en ce premier jour d'automne. C'est dans cette ancienne cité de tanneurs, aux ruelles moyenâgeuses préservées, qu'a eu lieu le départ du 81e Paris Camembert, comptant pour la 6e manche de la Coupe de France FDJ. Une course que les plus grands noms du cyclisme tricolore et international ont remporté, comme Bernard Hinault, Laurent Fignon ou Job Zoetemelk. Job Zoetemelk, à qui d'ailleurs nous souhaitons au passage un prompt rétablissement après avoir été victime d'un accident de la circulation alors qu'il roulait à vélo. Bon courage, Mister Job. Une course exigeante, classifiée pour puncher, dans laquelle les sprinteurs ont souvent du mal à inscrire leur nom au palmarès. Ce qui ne semble pas inquiéter Nasser Bouani, l'homme en grande forme et dernier sprinteur à lever les bras sur la ligne d'arrivée de l'Ivaro, c'était en 2017. Est-ce que le parcours d'aujourd'hui se prête à vos qualités de sprinteur ou ça va être compliqué dans le final? Je pense que c'est un parcours difficile, après je vais m'accrocher et on va voir comment la course va se passer. Après on a plusieurs cartes dans l'équipe, en cas où ça durcisse et qu'il y ait une échappée. Et si j'arrive à m'accrocher et arriver en petit comité avec un sprint, je vais faire le maximum pour l'emporter. Bon, sauf qu'on évidemment personne ne va vous laisser partir. En petit comité? Ah non, partir, non, je pense pas. Mais le petit comité, je pense que ça va casser. C'est pour ça, peut-être une arrivée au sprint avec 30 coureurs. Donc j'espère être parmi ces 30 si y a une arrivée en petit comité. Et l'autre carte alors de l'équipe, c'est qui? Romain Hardis? Oui, on a plusieurs cartes après. Donc y a Romain Hardis, il y a Kevin Le Danois. On a pas mal de punchers dans l'équipe. Donc on va voir comment ça se passe et si on peut faire quelque chose de bien aujourd'hui. Et dans l'ancienne équipe de Nasser Bouani chez Cofidis, il n'y a pas de sprinter. Il y a un groupe homogène d'attaquants, comme l'avait démontré Nathanaël Beran au dernier Grand Prix d'Isberg. Pour Christian Guiberto, son directeur sportif, qui nous dévoile les secrets de la course, il s'agira de montrer les mêmes velléités offensives pour espérer gagner. Quels sont les objectifs de l'équipe Cofidis aujourd'hui? Bah écoutez, c'est sur un circuit, c'est exigeant, c'est typique pour les attaques. Comme l'an passé, évidemment, c'est arrivé presque un par un. Donc le final et cet enchaînement de toutes ces petites montées, c'est pourcentage même à 10% par moment. Donc ça, c'est propice vraiment à toutes les attaques. Donc il faut être vraiment vigilant dès le début, pas être piégé, parce que c'est très dur à contrôler quoi, sur ce type de circuit. Donc les objectifs, c'est déjà dans un premier temps de participer aux échappées et de voir comment ça évolue tout simplement. Ouais. Donc le final, vous le disiez, est exigeant. C'est une mini classique, une mini ardennaise. Oui, c'est ça. Hein. C'est tout un enchaînement de petits monts. Hein. On pourrait comparer ça à la Belgique. Donc c'est très exigeant. Et souvent, la différence se fait pas spécialement dans les montées, mais ensuite, entre les montées, ça part, il y a des cassures. Le placement a un rôle vraiment très, très important. C'est pour ça qu'il faut vraiment être agressif pour participer et être toujours présent à l'avant du peloton. Et on n'a pas quelqu'un de particulièrement désigné, mais c'est plus un mouvement collectif d'équipe où il faudra être devant et être en position de force. En 2018, Lilian Calmejean avait remporté l'épreuve. Il est absent cette année, mais l'équipe Total Direct Energy a plusieurs cartes dans son jeu. Et Lilian Le Breton, son directeur sportif, nous a accordé quelques mots pour évoquer ce Paris Camembert qu'il connaît bien, contrairement à ce que pourrait laisser penser son patronyme. Comment on peut qualifier cette course Paris Camembert? Est-ce que c'est une course pour sprinter, pour puncher? Est-ce que les sprinteurs déjà vont réussir à aller au bout? Ben ça, comme on dit toujours, c'est les coureurs qui font la course. Maintenant, c'est vrai que c'est un parcours qui est assez difficile, compliqué. Un bon terrain de jeu pour les punchers. Donc, dans le final, on va sûrement assister à une vraie course de mouvement où j'espère les meilleurs vont pouvoir émerger. Quoi. Et alors, les meilleurs dans ce genre d'exercice chez vous, chez Total Direct Energy, qui sont-ils? Nous avons Jonathan Hiver et Julien Simon qui sortent de Tirreno. Même si Julien est quand même en reprise par rapport à sa chute de la route d'Occitanie, donc il monte en pression gentiment.
pour essayer d'arriver à son meilleur niveau sur la Volta. Et Jonathan est sorti avec un bon petit coup de pédale de Tirreno. Donc une bonne partie des responsabilités de l'équipe va être sur lui aujourd'hui. Ce jeune homme, de dos, à droite, avec le maillot Nippo Delco Provence, s'appelle Biniam Garmey Ailou. Il est érythréen et il est en train de devenir, à seulement 20 ans, un coureur redoutable. Il fait même partie des favoris du jour. Une belle occasion de mieux le connaître grâce à son directeur sportif, Luc Chélan. Biniam, qui nous surprend aussi sur chacune des courses, il sort d'un gros enchaînement de courses en Italie. Donc on verra sa forme aujourd'hui, mais il a enchaîné pas mal de courses. Donc c'est pas certain. On a une bonne carte aussi avec Edouard Grosso. On a une bonne équipe aujourd'hui et on va faire la course pour eux, quoi. Alors Biniam, on l'avait vu notamment, on l'avait découvert autour du Doubs où il était impressionnant, il était dans l'échappée, il a réussi à recoller au groupe des favoris pour prendre une belle place sur le podium. Enfin, parlez-nous un peu de lui, d'où il vient, comment vous l'aviez recruté. Biniam, du coup, c'est notre manager Philippe Lannes qui l'a découvert sur ses différents résultats en junior. Il est arrivé avec le Centre mondial du cyclisme en France. Il a fait quelques courses juniors. C'est un des rares juniors à avoir battu Remco Evenepoel dans sa catégorie. Donc c'est vraiment... Il a fait des gros résultats en junior. Il a fait une bonne première année espoir avec une victoire autour du Gabon. Et sur ça, du coup, notre manager l'a recruté. Et dès le début de l'année, on était surpris par son potentiel où il passe très bien les bosses, il va vite au sprint. C'est vraiment une des futures stars de demain. Eh bien, il est autrement, il est comment? Il est avec ses coéquipiers, comment se passe son adaptation, même s'il était déjà en Europe depuis un moment? Non, l'adaptation s'est très bien passée. Il est arrivé avec un deuxième coureur africain, Moulou Haïlemichel, un Éthiopien, mais ils parlent la même langue. Ils sont logés ensemble dans une maison des coureurs avec nos coureurs japonais, avec certains coureurs d'Europe de l'Est quand ils sont trop en déplacement. Donc ça facilite l'échange, que tout le monde se retrouve ensemble dans une maison pour s'entraîner, pour vivre ensemble. Du coup, il s'est très bien intégré et c'est un coureur comme les autres au sein de l'équipe. Bon, s'il gagne aujourd'hui, il prend 50 points dans le classement général de la Coupe de France et il se place en position pour la remporter. Ça peut être un objectif? Ouais, ça peut être un objectif, mais l'objectif premier pour nous, c'est d'aller faire les résultats et on verra ensuite si la Coupe de France arrive derrière. Non. Et le départ est donné un peu avant midi par François Lemarchand. L'homme qui avait remplacé Christian Prudhomme pendant le Tour de France s'est donc exercé à secouer le drapeau pour lancer les hostilités. Et en tant que Normand pure pomme, il officie ici bénévolement comme directeur de course. Un défilé dans les rues pavées de Pont-Audemer, la ville chère à Gaston Lenôtre, un des pères de la gastronomie française, et direction le sud de la région, direction le Calvados, puis l'Orne, et un retour dans le Calvados, pour une course de 194 km 500 dans le bocage et une arrivée à Livaro. Un nom qui sent bon les fins de repas avec du pain frais. Livaro, ce fromage franc et prononcé à la croûte jaune orangée, ceinte de 3 ou 5 lèches, le nom de ces fameux tours de roseau qui lui donnent son aspect si caractéristique. Au kilomètre zéro, eh bien, déjà une première attaque au bénéfice du Hongrois Janos Pelikán de l'équipe Androni Giocattoli. Il est rapidement suivi dans sa roue par Nicolas Zukowski, le Canadien de chez Rally Cycling, et un troisième larron tente de s'inviter à la table pour partager le fromage et pourquoi pas le dessert de cette course. Il s'agit du Belge Quentin Vénère de l'équipe Bingol Wallonie-Bruxelles. Ces trois hommes s'entendent bien, le peloton semble les laisser partir, en tout cas pour le moment. Ces trois garçons ne sont peut-être pas très connus du grand public et peut-être pas non plus de leurs adversaires, mais le Hongrois Pelikán a déjà été deux fois champion du contre-la-montre de Hongrie, c'est donc un excellent rouleur, et le Canadien Zukowski, qui n'a que 22 ans, mais est en train de se faire les dents en Europe après avoir eu des belles places d'honneur sur des courses sur les continents nord-américains. Il a notamment terminé troisième de l'exigeant Tour de Gila en 2018, à 20 ans seulement. Et derrière, le peloton roule à allure modérée. Ce parcours 2020 emprunte des routes plutôt plates dans sa première partie, avant d'avoir des chemins plus casse-pattes lors des deux circuits autour de Livaro. Mais l'écart maintenu est raisonnable, jamais plus de 4 minutes. Et cela redescend assez vite même. 3 minutes 40 alors qu'il reste encore 50 km à parcourir.
Les équipes de sprinteurs commencent donc à s'organiser pour mener la chasse, comme les B&B Hotel qui se relaient devant pour emmener ou tenter d'emmener Luca Mozzato, le sprinteur maison que son directeur sportif, Ivonic Boliani, nous fait découvrir. Est-ce que Luca Mozzato, qui est votre sprinteur attitré, a les capacités de passer toutes ces petites bosses du final? Je pense. Après, tu vas dépendre de l'intensité de la course dans ces bosses. Il a prouvé dernièrement que sur des courses difficiles, il passait. À Plouet en particulier, il était dans la bagarre dans le final. Il était avec les meilleurs. Donc, je pense qu'il est capable de passer. Maintenant, on va voir comment ça va évoluer. On a vu que sur les courses sont très nerveuses, ça roule très vite, il y a du mouvement. Donc il y a des équipes qui vont chercher à durcir la course dans ces difficultés. Donc on va voir comment il peut évoluer et s'il peut évoluer dans de bonnes conditions jusqu'à la ligne. Alors parlez-nous de lui un peu, on le connaît assez peu et il arrive régulièrement à accrocher des top 5, des top 3. Voilà, c'est un jeune coureur. Ouais, c'est sa première année professionnelle, c'est un très jeune coureur. Il fait une très belle saison et depuis il y a eu le confinement, mais juste avant le confinement, au Grand Prix Montserré, il fait quatrième, course gagnée par Jakobsen. Donc, il est avec les meilleurs sprinteurs mondiaux, il se bat très souvent avec eux et il a fait deuxième dernièrement autour du Poitou-Charentes sur une étape. Pour un jeune coureur, il fait une belle, très très belle première année professionnelle. Dimanche à Iceberg, il fait quatrième. À Iceberg, il a été gêné par une chute à 4 km de l'arrivée. Il a bénéficié d'un gros travail de Julien Maurice et Johan Lebon pour venir le positionner dans les premières positions du peloton. Mais ces efforts-là lui ont peut-être coûté un podium, voire mieux. Aujourd'hui, c'est pour nous une très très bonne carte d'avoir un jeune comme Luca Mozzato. C'est pour l'avenir. Et c'est un jeune pour l'instant qui est un peu méconnu du grand public. Mais il va pas tarder à sortir. Et le temps d'écouter l'ancien DS du VCP Loudéac. Et voilà que la situation de course a totalement évolué. Ils étaient 3, ils sont désormais 6 en tête. Si Quentin Vénère a été lâché, 4 autres coureurs partis en contre ont rejoint Pelikan et Zukowski. Il s'agit de Maurits Lammertink, le Hollandais de l'équipe Circus Monti Gobert, du Français Dorian Godon, AG2R La Mondiale, du jeune et prometteur sprinter anglais de chez Groupama FDJ Jack Stewart et du Norvégien de Riwal Redinez Christian Asvoldt. Ces 6 semblent s'entendre à merveille, mais des organisations précédentes ont donné raison au peloton. Le peloton sort vainqueur du duel, ce dernier se rapproche. Les 6 hommes de tête passent pour la deuxième fois sur la ligne d'arrivée. Ils entendent la cloche, c'est le dernier tour de circuit, il reste 27 km 500. Et le peloton accélère, il sait qu'il va falloir les rattraper assez vite. Sous la ligne, l'écart entre l'échappée et le peloton est de seulement 36 secondes. On pense alors que c'en est fini de cette escapade bucolique entre les vergers normands pour les 6 hommes. Mais la dernière difficulté du jour, dans la butte de Fondy, alors que le peloton est dans ses talons, le Français Dorian Godon attaque. Seul Lammertink parvient à le suivre. Les 4 autres garçons sont à la peine et ne vont pas tarder à se faire rejoindre par le peloton. Au sommet de cette côte, il ne reste plus qu'une seule descente et l'entrée dans les rues de Livaro. Cela fait tout de même encore 9,5 km à tenir. Il va falloir bien s'entendre. Surtout que derrière, les Arkea Samsic se mettent à l'ouvrage pour les faire échouer et surtout pour déposer Nasser Bouani dans un fauteuil. Malheur aux fatigués parce que le rythme est très soutenu. L'écart ne tient plus qu'à un fil. À 8 km de l'arrivée, il n'est que de 15 secondes, puis seulement 10 secondes à 4 km du but. Et derrière, les hommes de Boigny, Mozzato et consorts se demandent comment faire pour revenir sur ces deux diables devant. Ils ne grignotent que de minuscules secondes et la ligne d'arrivée approche. Alors, à moins de 2 km de l'arrivée, toujours une petite dizaine de secondes d'avance. On se dit
que le pouvoir est cette année encore aux attaquants, aux audacieux. Quand on sait que seulement 3 sprinteurs ont remporté Paris-Camembert ces 20 dernières années, on se dit que ces deux-là ont leur chance. Et cette chance, ils vont l'avoir, Lamertinck et Godon. Ils ne seront pas rejoints. Ils se disputent même l'arrivée au sprint avec un peloton littéralement à leur trousse. Et c'est Dorian Godon qui remporte ici à Livarot son tout premier succès sur une épreuve en ligne. Lui qui n'avait remporté que 2 prologues dans sa jeune carrière. Derrière, le peloton est facilement réglé par Nasser Bouani qui pensait avoir gagné. Ce n'est pas le cas, mais il prouve quand même qu'il retrouve sa toute meilleure forme. Et c'est bien évidemment la joie. Chez AG2R, c'est la 5e victoire cette saison chez les hommes de Vincent Lavenu. Et on le revoit, un sprint âprement disputé qui a souri au plus fort, mais Godon pourra aussi remercier son adversaire Lamertinck qui méritait la victoire tout autant que lui tant il a partagé les efforts dans le dernier kilomètre. Au classement donc de ce 81e Paris-Camembert, nous retrouvons 2 punchers aux premières places, suivis de 8 sprinters. Derrière Bouani, Vendramé, Grosso ou Mozzato tiennent bien leur rang. L'équipe AG2R La Mondiale avait plusieurs atouts ce matin au départ, et c'est la grosse cote de l'équipe qui l'emporte, Dorian Godon, au grand bonheur de son coéquipier, le régional de l'étape, Alexis Coujard. On a réussi la journée avec l'équipe, on avait un beau collectif. On avait derrière aussi Andreas qui marche fort, moi j'étais pas mal non plus. On l'a bien contrôlé derrière Dorian et lui il a fait une belle course à l'avant. Donc une bonne journée pour AG2R La Mondiale. Quand il part en plus en contre avec 5 autres garçons. Au départ évidemment on y croit, ou vous avez peut-être envie de partir aussi à ce moment-là, non? Moi j'avais envie aussi d'attaquer, mais je sentais que j'étais un peu marqué par les autres coureurs. Donc, j'ai monté la bosse assez dure là, qui est à 9 km, enfin, on l'a passé 2 fois. Premier passage, je l'ai monté assez costaud. Et en haut, on se retrouve un petit groupe et après ça s'est regroupé. Là, j'ai dit, les gars, c'est maintenant, je pense qu'il faut en mettre une. Et lui, il est sorti à ce moment-là et il a été chercher la victoire. Donc, C'est lui qui a fait que ce groupe de 5 est parti. Il y a une première attaque d'un coureur FDJ et c'est là où je dis, faut suivre. Et lui, il a suivi et du coup, il s'est retrouvé dans le bon groupe. Et voilà, et ils ont fait un très beau forcing et c'est très bien. Et résister à 2 avec les Arkea derrière qui devaient rouler à bloc, on imagine, parce qu'ils sont revenus vraiment sur leurs talons, c'est quand même une performance magnifique. Ouais, après derrière, ils ont eu du mal à s'organiser au début. Mais c'était tout bon pour nous. Donc nous, derrière, on lui disait que c'était derrière, ça roulait pas, ça mettait du temps à s'organiser. Et après, c'est vrai qu'Arkea, ils sont venus rouler et ça roulait fort. Ils ont bien forcé, ils ont fait un beau forcing pardon, dans le final avec à 2 là. Et quand j'ai vu au kilomètre, on les voyait au loin, mais j'ai dit là c'est bon, c'est fini, on les reverra pas. Bon, il va vous partager un bout de camembert. J'espère bien, j'adore ça. Et bon appétit alors. Au classement général de la Coupe de France FDJ, Nasser Bouani fait une excellente opération. Il marque 25 points et prend du même coup la tête des opérations devant Joseph Cerny, leader depuis le tour du Poitou-Charentes. Il lui reste maintenant au coureur d'Arkea Samsic 2 manches pour faire le plein et ainsi remporter la toute première Coupe de France de sa carrière. Nouveau leader de la Coupe de France, mais on imagine que vous auriez espéré prendre plutôt 50 points aujourd'hui, c'est-à-dire remporter cette course. Oui, bah on venait pour la victoire. Après, ça ne s'est pas goupillé comme on l'aurait voulu dans le final. Je pensais qu'on arrivait pour la gagne. En fait, on arrive pour la place de 3. C'est dommage qu'on n'arrive pas à rentrer sur les deux de devant, mais c'est comme ça. Il restera encore Paris-Chauny et puis Paris-Tours pour la Coupe de France. Bon, de toute façon, on l'a vu sur le sprint du peloton, vous étiez encore une jambe au-dessus de tout le monde, donc effectivement, c'est de bonne augure pour dimanche prochain. Oui, je commence à retrouver de bonnes sensations, je suis content, je me sens en bonne condition en ce moment et j'espère faire une belle fin de saison. Et si ce podium a pu se tenir avec toutes les mesures qui s'imposaient, ce ne fut pas une sinécure pour les organisateurs qui, comme les autres, ont eu des sueurs froides jusqu'au départ. Comme nous le confirme le maire de Livarot, Frédéric Le Gouverneur. On a un directeur de course qui est très expérimenté et qui ne lâche jamais. C'est comme un coureur qui ne se relève jamais avant la ligne d'arrivée. Guy Brien est magnifique. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'embûches jusqu'au dernier moment quand le préfet du Calvados m'a appelé pour me dire qu'on passait en zone rouge et qu'il fallait revoir l'ensemble du protocole d'arrivée. C'est ce que nous avons fait vendredi matin à l'aube. On a mis ça en place en urgence. On est dans une période où il faut être souple, réactif pour arriver à faire des choses.
et l'équipe doit être sur les rotules parce que ces changements de dernière minute sont très durs à gérer. Parce qu'effectivement, on ne s'en rend pas compte, la course a lieu, c'était en plus une magnifique course avec un magnifique vainqueur, mais ce qu'on ne sait pas, ce sont les heures qui ont précédé, notamment aller chercher les barrières au dernier moment, j'ai appris ça par exemple. Absolument, on a fait des zones avec des compteurs qui étaient absolument nécessaires pour que la préfecture puisse nous autoriser et être sûr qu'on contrôlait le nombre de personnes dans les zones. Donc il fallait mettre des compteurs, c'est-à-dire des vigiles avec des appareils, il fallait ceinturer des zones. Donc il fallait à peu près 250 barrières de plus au dernier moment. Et c'est la ville de Lisieux qui nous les a prêtées très gentiment et que je remercie au passage. Merci de nous être fidèles et toujours plus nombreux pour suivre ces manches de la Coupe de France FDJ. Continuez à regarder le vélo sur les antennes d'Eurosport. Prochain rendez-vous dimanche avec Paris-Chauny, dont vous pourrez suivre le résumé le lendemain. A très vite. Du beau, du bon, du bon lait de vache, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du bon fromage. Du beau, du bon, du bon lait de vache, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du bon fromage au lait. Eh oui, en dessous, c'est joli. On fait du bon fromage au lait. On fait du bon fromage au lait.